Dans cette troisième partie, on va continuer. J'ai dit, je vais parler jusqu'à ce qu'il arrête. Deux premières parties, nous avons assimilé un frère. Vous saisissez tout ce que je viens de vous dire. Donc, nous étions dans la deuxième partie, nous étions dans Ézéchiel 34 et ça nous a conduit dans Matthieu 24 puis 25. Puis j'ai dit qu'on devait lire Luc chapitre 12. Donc, lisons Luc chapitre 12 et puis on sort de là pour entrer dans Ézéchiel 34 en suivant cette voie-là. Luc chapitre 12 maintenant cette fois-ci. À partir du verset 40. Nous sommes dans la troisième séance, n'est-ce pas? Luc, le chapitre 12. Prenons à partir du verset 40. Vous y êtes tout le monde? Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous avez vu ce que le Seigneur a dit, passant le temps a dit, non? Donc, il va venir à l'heure où on ne doit même pas penser. Et par conséquent, nous devons seulement affûter nos âmes pour être prêts, tout simplement. Et qui, un prédicateur qui est prêt, c'est quelqu'un qui pourra préparer aussi c'est les gens sur lesquels il est établi, pas vrai? Pierre lui dit, quand Pierre a entendu cela, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent? Vous avez vu, on parle maintenant de l'économat. De l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Vous avez encore vu cela, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a des variations ici par rapport à Matthieu, mais c'est davantage de la lumière pour expliquer des choses. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Verset 44. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Verset 47, suivez attentivement. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, soulignez cela. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous avez vu ça, frère? Vous voyez la nécessité de comprendre et de connaître la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que si on connaît la volonté de Dieu, on se retrouve dans ce Matthieu chapitre 25 qu'on a lu aujourd'hui, verset 14 suivant, des talents qu'on a donnés. On est censé savoir ce qu'il arrive. C'est censé savoir ce qu'on nous demande de faire. Faire fructifier, faire multiplier les talents. Il faut les pourvoir. Alors il dit, le serviteur, verset 47 encore, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, donc c'est très grave, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous avez vu ça, frère? Est-ce que nous voulons être des serviteurs? Donc, nous, vous réunissez, nous réunissons ici pour connaître sa volonté et agir en conséquence selon cette volonté, n'est-ce pas, frère? Non. Verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Donc, que tu connaisses la volonté, que tu ne connaisses pas la volonté, ça ne t'épargnera pas de coups. Donc, mieux agir selon la volonté. Écoutez maintenant, et c'est ce verset-ci qui me fait frémir chaque fois. La partie-ci. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vous avez suivi ça, frère? Donc, quand les gens prient que, oh Seigneur, ajoute-nous l'onction, ajoute-nous ceci, ils ne savent pas de quoi il est question. Dieu ne donne pas l'onction pour qu'on part dans, vous appelez les cycles, pour commencer à faire, vous le faire sort, vous le pigeon sort. C'est pas pour ça qu'il donne ça. Il donne l'onction de Dieu est faite pour le service du royaume. Les dons du Seigneur sont donnés pour le service du royaume. Donc plus il y a la connaissance de la parole, plus la responsabilité est grande. Plus Dieu augmente, c'est ça qu'il dit tout à l'heure, plus il augmente, plus il attend, plus. Donc il dit ici, hein, le serviteur qui a connu la volonté n'a pas préparé comme il se doit, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais le serviteur qui ne l'ayant pas connu a fait des choses qui est digne de châtiment, sera châtié d'un petit nombre de coups. Mais donc d'une façon ou d'une autre, on sera châtié. D'accord?
La seule façon pour ne pas être châtié, c'est connaître la volonté et agir selon la volonté. Comme ça, quand elle va venir, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je te donne un peu, tu vois, je te confie dans 10 villes. N'est-ce pas, frère? Après, il dit, on demandera à celui à qui on a beaucoup confié. Donc, plus vous lisez, il y a des pasteurs, il dit, comme je t'ai parlé là, les pères qui ont vieilli, ils n'ont jamais lu tout de la Bible. Vous savez ça, frère? Quand vous me dites des choses de la Bible, ils ne savent même pas que c'est écrit dans la Bible. Pourtant, ils sont, il dit, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de chrétiens, des pasteurs qui n'ont jamais eu à lire la Bible, c'est comme ça, du début jusqu'à la fin. Beaucoup ont seulement entendu l'histoire qu'on racontait, que l'histoire de Noé, il est entré dans l'âge. Quand tu parles aussi, il entend qu'il a entendu cela. Il dit, lire, être en confrontation avec l'écriture, il n'a jamais été. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la grâce d'avoir cette écriture, c'est comme nous avons. Nous avons eu la grâce d'une façon où Dieu nous a permis qu'on sache lire. Nous lisons une fois, deux fois. Donc, nous lisons, nous entrons en contact avec le plan, le dessein de Dieu. Sans nous rendre compte que c'est des responsabilités qui nous sont incombées comme ça. Sans nous rendre compte que plus Dieu te donne les connaissances, plus ça te permet de comprendre que tu n'es plus à faire l'erreur. Dieu ne prendra pas quelqu'un qui commet l'iniquité étant ignorant et toi qui connais cette chose avec l'autre, on ne punira pas de la même façon. C'est pour cela que devant la loi, si maintenant tu me corriges, si un policier va braquer, un bandit braque, on prend les deux, ils n'auront pas la même sentence. Le policier sera bien aggravant, n'est-ce pas? Parce que c'est quelqu'un qui connaît, qui n'est pas censé faire cela. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si sur le plan humain, regarde comment les hommes agissent dans leur loi, imaginez pour Dieu. Qui est l'auteur des lois. Si lui, vous connaissez ce qu'il veut, et que vous ne faites pas, quelqu'un qui ne connaît pas, vous pensez qu'il va vous chasser de la même façon, il y aura de l'injustice. C'est pour cela qu'il a dit, c'est le serviteur qui, ayant connu, n'a pas agi, va le traiter. D'accord, frère? Alors, entrons dans notre Ézéchiel, dans le chapitre 34. On est au verset 1 encore, quand le Seigneur nous a balancé par ici. Les jours des jeûnes, préparez-vous. Les jours des jeûnes, donc, que le Seigneur nous a donné, ça a été comment pour vous? Très bien. Nos vies spirituelles ont été restaurées, n'est-ce pas? Restaurées et avancées à un certain niveau, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Et il est marqué que ça a été très facile. C'est ainsi les choses de l'esprit, donc. Si on est de prier pour ceux du monde entier, pour ceux qui nous suivent, afin que Dieu puisse leur donner un programme aussi comme ça pour qu'ils soient à même. Parce que je sais que beaucoup sont à l'extérieur qui veulent suivre le Seigneur de cette façon-là, mais les choses les attachent. Puis Dieu leur donner aussi de cette voie-là, afin qu'ils soient avec nous dans le même champ. Verset 3 du chapitre 2. Dans la première partie, dans la deuxième partie, nous avons lu Ézéchiel 34, verset 1 à 3. Nous sommes arrêtés au verset 2 où il a dit, le Seigneur lui a demandé de prophétiser en disant, le Seigneur, l'Éternel a dit, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Il dit, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous avez vu cela? Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, entourées, fortifiées, vous soulignez jusqu'à faible. Vous y êtes? Ici au verset 4 là, vous entourez, fortifiez, vous soulignez maintenant jusqu'à celle qui était faible. On y va. Guéris ceux qui étaient malades. Entourez, guéris, vous soulignez jusqu'à malade. On avance. Pensez celle qui était blessée. Entourez, pensez, vous faites de la même façon. Vous y êtes? Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Entourez, ramenez. Puis vous soulignez jusqu'à celle qui s'égarait. On avance. Cherchez celle qui était perdue. Entourez, cherchez. Puis vous soulignez celle qui était perdue. On avance. Puis dit, mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Vous avez encore vu les deux mots que le Seigneur a cités tout à l'heure sur une autre forme, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus a cité dans Matthieu 20 que vous savez que les nations les tyrannisent et que les grands de ce monde s'y les asservissent. Et quand il a expliqué, il parlait de la domination, de l'autoritarisme. Vous voyez ça là, n'est-ce pas? Il dit, ça veut dire que les pasteurs se comportaient comme les dictateurs humains. Vous avez vu, n'est-ce pas? Combien de choses avez-vous entourées? Combien de verbes? 5. Premier. Tout le monde. Un. Oui. Oui. Oui.
Voilà les cinq missions principales donc, des paisseurs de troupeaux. Vous avez vos cinq missions, n'est-ce pas? Vous avez vos cinq missions, n'est-ce pas, frère? Vous allez dans les Actes des Apôtres, quand vous allez prendre votre temps de travail, allez devant le Seigneur avec ces cinq choses-ci. Vérifiez donc le fonctionnement des apôtres dans les Actes des Apôtres seulement, d'accord? Vous allez trouver les cinq choses-ci. On avance. Verset 5. Elles se sont dispersées. Elles aiment ici pour les brebis. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Frère, tu entends ça? Tu entends ça? Remarque qu'une fois, deux fois, je suis venu là-bas, il n'y avait personne. Deux fois, il y avait 8, 9 personnes. Je viens deux, trois, quatre fois, il y a 44 personnes. Tu t'es là posé une question, cette question-là. Je vais te poser la question maintenant directement. Tu t'es posé la question que pourquoi quand le frère junior là, les gens viennent comme ça, même les nouveaux même qui ne connaissaient même pas quand on est là-bas, ils viennent. Et pourquoi quand vous êtes là-bas, il y a ces nombres qui diminuent, ça diminue plutôt. Tu t'es posé la question. Tu es arrivé à quelle réponse? Ou bien tu as conclu qu'il vient seulement parce que le frère junior est là. C'est la réponse là, c'était préparé bon maintenant à l'issue de tout ce qu'on a vu là maintenant. Frère Hervé, tu as constaté également ça aussi. Tu as réfléchi à la question, tu as été posé des questions, pourquoi ça se passe ainsi? Donc tu comprends maintenant, c'est la négligence, non? Parce qu'il vous le dit, vous travaillez avec le Seigneur, que vous laissez le Seigneur travailler au travers de vous. On ne sentira pas ma présence, parce que ce n'est pas moi qui suis Jésus. Ce n'est pas moi qui suis Dieu, ce n'est pas moi qui suis le détenteur du Saint-Esprit. Parce que si tu fais la négligence, l'œuvre du Seigneur avec négligence, ça va se ressentir des autres. Les gens s'aperçoivent, parce que c'est des choses de l'esprit. Tu ne peux pas forcer avec la chair que ça entre dans l'esprit de quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire cela. S'il s'est conduit par l'esprit, l'esprit va faire arriver à ça. L'atmosphère fait état à ce que les gens désirent être. Lorsqu'on va dire le frère Jimmy est là, il va aller là-bas, il n'y a rien parce qu'il perd mon souffle quand il part là-bas. Il fait là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Travaillez avec le Seigneur, laissez le Seigneur travailler au travers de vous et observez ce que Dieu va faire. Vous allez dire aux gens que pardon, ne venez plus, divisons ça en deux groupes. Un groupe vient tel jour, un autre groupe vient tel jour. Regardez comment c'est souvent plein parce que les gens sont dehors. Regardez, on est saturé là-bas. On dit aux gens que rentrez, chacun va dans ce domaine. Les gens ne font que venir là-bas. Pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Travaillez avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis là. C'est à cause de vous que c'est comme ça. Donc, il faut que vous voyez maintenant. Verset 5 dit, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Vous avez vu ce qu'il en est? Les bêtes des champs représentent quoi ici, frère? Voilà. Donc, imaginez donc que Dieu vous donne de perdre les gens. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que tant que je serai dans cette tente-ci, parce que la deuxième lettre, dans l'une et dans l'autre, je tiens à tenir en haleine votre saint avertissement pour que vous ne quittez pas cette voie-là. Où est-ce qu'il a de faire, non? Il dit tant qu'il est là, il faut qu'il le tienne. Et fais attention. Prenez garde, regardez l'apôtre Jean. Prenez garde, que personne ne vous séduise. Prenez garde, l'apôtre, prenez garde. Prenez garde. Si quelqu'un vient à vous, ne vous dites pas que je ne confie pas que je viens à la chair, ne le recevez pas dans votre maison. Prenez garde. Tant qu'ils sont là, prenez leur rôle. Pour les avertir, par les avertissements, leur donner son intelligence, leur donner de bonnes nourritures pour qu'ils soient nourris, pour que ça va de haut, parce que vous ne servez pas les gens. Il y a les téléphones, il y a les télévisions, il y a les radios. Vous entendez le taxi, on va mettre une radio avec une prédication à l'intérieur. Un pasteur va dire que si vous voulez les miracles, venez à tel endroit. Si la personne est ouverte, où est-ce qu'il va? Il prend seulement le numéro, il part là-bas, il est séduit à cause de toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vie de Dieu. On cherche la vie de Dieu. Soyons donc les fontaines qui distribuent la vie de Dieu pour les hommes. Soyons donc ces conducteurs-là qui sont comme des robinets qui ouvrent le cœur pour que Dieu coupe son nom pour donner aux gens, pour que les gens s'abreuvent. D'accord, frère? Il dit, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Vous voyez? Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Donc, quand quelqu'un se disperse parce qu'il n'y a pas de pasteur, parce que le pasteur est censé perdre le troupeau. Si vous voyez le troupeau de moutons qui sont là, remarquez quand vous voyagez, vous voyez les bœufs en route avec les bergers, ils sont là, avec les bâtons chaque fois. S'il veut monter le grenier, il tape pour qu'il rentre comme ça. Il rentre le camp. Quand quelqu'un veut s'égarer, il tape pour qu'il rentre. S'il passe à soi là-bas en bas, et remarquez quand il arrive dans les herbes, quand il veut se reposer, il veut les laisser manger à leur guise, il les laisse. Chacun va dans sa direction, vous mangez, pas vrai? Quand il se lève maintenant pour les regrouper, jusqu'à ce qu'il les regroupe à un endroit. Parce que s'il arrive quelque part où il y a les lions, il fait ça, le lion va prendre un là-bas. Il faut qu'il veille à cela. Vous devez faire de même. C'est votre responsabilité de veiller sur la vie spirituelle des autres.
les uns et les autres. C'est pour cela que chaque fois qu'après vous entendez, m'entendez dire, selon la limite que Dieu m'a assignée, je m'adresse à ceux sur qui le Seigneur m'a établi. C'est pour ça qu'ils disent cela, parce que tous ne sont pas là pour le but, même but. Ça, c'est notre paire de manches. Vous devez rencontrer ça, expérimenter ça vous-même. C'est frère. Vous allez rencontrer ça et expérimenter ça vous-même, ce qu'il vient de dire. Alors, on a 2 Corinthiens. Bien, alors, on a 1 Timothée chapitre 3 et chapitre 4. Vous avez noté, hein? Notez 2 Timothée. 2 Timothée. Notez vraiment vite pour qu'on avance. Chapitre 2. Verset 14 à 20. Et verset 22 à 26. Vous y êtes. 1 Timothée chapitre 5. Verset 18, 17 et 18. Vous avez noté le chapitre 6 maintenant de 1 Timothée, verset 1 à 16. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 17. Chapitre 2, verset 14 à 17. Le chapitre 11, maintenant. Verset 22 à 32. Verset 22 à 32. Chapitre 12. Verset 12. Versets 14 et 15. Donc, 2 Corinthiens chapitre 12. Les versets 12, 14 et 15. Si vous avez fini, vous me dites, je donne toujours. 1 Corinthiens. Chapitre 4. C'est plein là dans la Bible. Si vous pouvez prendre avec les exemples des conducteurs, c'est un autre problème. Je vais seulement prendre dans le Nouveau Testament. Pour montrer que c'est une règle seulement. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6. Puis le verset 9 à 14. On avance. 2 Timothée 3, 16 et 17. 2 Timothée 3, verset 16 et 17. Romains 15, verset 14 à 20. Galates 1, verset 6 à 10. Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 13. Prenez enfin 2 Corinthiens 10, 12. Commençons dans 1 Timothée 3. Et 4. Lisons là-bas et puisse le Saint-Esprit nous y guider. Vous êtes fatigué? Frère Arnaud, tu es fatigué? Frère Achille, fatigué? Que Dieu vous bénisse. Je sais que pour d'autres, certains d'entre vous avez pris les jours, les jeûnes à sec. Que Dieu vous récompense. Que Dieu vous récompense pour l'amour que vous portez pour son nom. 1 Timothée 3, déjà. Vous y êtes. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, frère Anon n'a pas encore trouvé. Premier épître de Timothée. Chapitre 3. Si quelqu'un aspire, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre. La Bible nous veut nous montrer que les surveillants, l'œuvre qu'ils font, c'est l'œuvre excellente. En effet, sous le soleil, il n'y a pas un travail plus excellent que le travail des prédicateurs. En effet. C'est ça, frère. Au sens mondain, ça ne peut rien dire.
Tu peux te présenter comme prédicateur, tu regardes, c'est eux qui prennent les dîmes et les offrandes des gens. On confond n'importe qui, on met cela. Mais les gens devraient réfléchir sur le thème serviteur de Dieu. Vous entendez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te présentes devant quelqu'un. Tu dis, je sais le Dieu du ciel et de la terre. C'est-à-dire que c'est lui, il suit sous son emploi. Tu dis ça aujourd'hui, les gens te regardent et disent que tu as eu faim. Vous avez la vie t'a dépassé. Que tu as acheté quelque chose de misérable. Avec tous les cours, tu as fait le doctorat, là où tu es allé entrer. Là, c'est son cerveau. Je me souviens bien d'un de mes professeurs de l'université là. Vous allez faire un tour à l'université de 16 jours. Il est resté dans la chaise, vous savez, du Chabda. Avec toute la physique que tu connais là, tu es allé entrer dans la Bible avec. Il dit que oui, monsieur. Il dit qu'il reste. Il est dépassé. Il est un brillant étudiant comme toi. Tu fais quoi dans la Bible avec ça? Il dit qu'en réalité, parce qu'il est la Bible, j'ai vu un grand physicien dans la Bible. Il fait comme ça, il dit qui? Il dit oui. Il dit que oui. Il dit que donc, eh oui. Vous avez déjà examiné la planète, la constellation, les constellations et la planète, les planètes de rotation et les différentes révolutions. Il dit, il y a quoi là-bas? Il dit que non. Pour que la Terre parvienne à faire la révolution et la rotation sur elle-même, sans jamais frôler, sans dépendre, sans descendre d'un centimètre, d'un millimètre d'un côté ou d'un autre. Et que si ça se passe, il y a marée haute ou il y a marée basse, il faut admettre que ça c'est un laboratoire terrible, pas vrai. Pourtant, nous disons que si on veut faire l'expérience, il faut avoir une enceinte adiabatique. C'est-à-dire que pousser, là on a poussé à l'extrême pour essayer de faire le vide. Et jusque là, on admet qu'il y a les erreurs parce que c'est pas possible de pousser pour avoir le vide absolument vide. Parce que même le vide contient un peu de l'air, même si vous poussez n'importe comment. N'est-ce pas, frère? Donc il n'y a pas une enceinte adiabatique absolument vide. Parce que quelque chose, l'univers contient quelque chose. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour être que ça soit vide. Comment vous allez faire pour pouvoir réaliser les expériences? Et que celui qui a fait l'expérience, j'aimerais bien qu'on construise un jour le laboratoire, on lance une bille et que la bille tourne sur elle-même en faisant la rotation comme ça là, en gardant le même orbite. Il est tombé là, laissé le but comme ça, là, compris ce que je voulais dire. Dieu n'est pas un grand physicien. Hein? Et celui que j'essaie, je suis encore dans la physique. C'est ça la physique. Il suffit de lire l'univers là-bas. Si tu connais un peu la physique, de savoir ce qu'il y a là-bas, tu vois seulement crier. Crier. Il dit qu'il étend le septentrion, il suspend la terre sur le néant. Si quelqu'un dit que je suspends la terre sur le néant, frère, ça suffit pour fermer tout le livre de physique. Il dit qu'il suspend la terre, frère, dit, mais sur le néant. Le néant qui crée le problème dans les philosophes là. Il dit suspend la terre sur ça. Quelqu'un veut me dire qu'il laisse la physique pour aller faire que je suis bien dans la physique là. Peut-être que je me donne le doctorat en physique là maintenant. Frère. Donc, prédicateur du royaume. Prêcheur, je dis, enfin, du moins, je reconnais que des choses sont arrivées au moment où notre ère, on ne sait plus qui est qui, et n'importe qui peut s'appeler prédicateur parce qu'on va à l'école, on porte le col blanc, on a le cadre de visite avec les diplômes, on dit qu'on est prédicateur. Mais ceux qui sont établis selon son dessein, il ne faut pas s'amuser avec eux. Et vous-même, vous ne devez pas vous amuser avec vous-même parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alors, il dit ici, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Vous avez vu quelque part ici, on a dit que le président de la République est excellent. Vous avez vu là, on a dit que le premier ministre, le poste du premier ministre est excellent. On dit que l'œuvre de l'évêque, évêque, épiscopos, surveillant, d'un ancien, son œuvre est excellente. Donc, il a une tâche excellente. C'est pour cela que ici, le qualificatif de cela. Écoutez bien ça que je veux dire. Dans chaque constitution de pays, si on prend ce qu'on va mettre ici, on met dans la constitution de pays, les gens vont lire la constitution, personne ne se présentera aux candidatures. Vous savez qu'on a la constitution du Cameroun, on dit pour être éligible à président, il faut avoir 35 ans révolus, n'avoir pas été condamné pour ceci, n'avoir pas été du fait pour délai public, pour justifier la présence ici, ainsi de suite, c'est ça. Ces conditions-là, tout le monde peut le faire. Si tu as 35 ans déjà, c'est bon. C'est pas vrai? Mais les conditions qui sont ici, ça disqualifie. Ne mettons pas d'abord le monde, on est là-dedans. Les chrétiens, étant dans le corps chrétien, ça disqualifie le grand nombre. Quelle œuvre! Alors, ça veut dire quoi? Quelle est la position de cet homme-là qui parvient à être à cette position? Pour qui parle-t-on se prosterner devant le chef de l'État? Alors que son œuvre, il sert le roi du ciel. Et c'est pas si on mesure. On peut mépriser maintenant.
On peut mépriser les prédicateurs, cracher sur eux, mais c'est en ordre parce qu'il a dit si on a traité ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Non, ne soyez pas surpris qu'on vous méprise. Ne soyez pas surpris, c'est dans l'ordre des choses. Mais je veux que vous regardiez l'excellentissime de votre œuvre. Pour que vous ne perdez pas de vue en disant que je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de chaussures. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas de chaussures. Il a dit que prenez l'évangile, le zèle que donne l'évangile, c'est une bonne chaussure. Pas vrai, frère Achille? Ah, j'ai pas d'habit, j'ai froid. Il dit prenez le casque là-bas, le casque du salut. Le bouclier, pas vrai? Il n'y a rien qui peut. Quelque chose pour peser ton habit, mais le bouclier, ce n'est pas facile que quelque chose pèse. On a notre habillement à nous, notre style à nous d'habillement. Ce n'est pas ça, frère. Alors, il dit si cette parole est certaine. Remarquez bien, quand vous voyez dans la Bible, on dit cette parole si est certaine. Vous allez remarquer c'est dans l'Apocalypse. Il va dire cette parole est certaine, c'est véritable, c'est certaine, les véritables paroles du Seigneur. Que c'est pour dire que c'est Dieu qui a prononcé. Au chapitre 2, verset 22, il va dire que cette parole, si le Seigneur sait ce qui lui appartient, il a cette parole qui lui sert de sceau. Deux points. Le Seigneur sait ce qui lui appartient. Donc, c'est la parole du Seigneur ici. Il dit, 1. Il faut donc que l'évêque soit... Vous avez vu? Première condition disqualifie 99% des pasteurs d'aujourd'hui. Vous avez vu, non? Vous allez le voir, n'est-ce pas? Voilà vos conditions. N'essayez pas d'entrer dans la philosophie en disant que qui est sans péché sur la terre. Il n'y a pas cette option-là, là-dedans. Il n'y a pas cette option-ci, dedans. L'option-ci, quand vous faites des formations des commandos d'élite, on fait des parcours de commandos, on met 30 kilos derrière le dos, vous devez parcourir 300 km à pied, on ne veut pas demander si... On ne dit pas que non, tu as des petites tailles, c'est 30 kilos tout le monde. Si tu es venu là-bas, c'est parce que tu pensais que tu ne pouvais pas, vrai? Donc, il faut que chacun s'arrête ici. En regardant chacune de ces choses-ci, en demandant au Saint-Esprit, rends-moi digne de cette œuvre excellente. Rends-moi digne de cette œuvre excellente. Aujourd'hui, si vous entendez comment on a invité tel groupe de pasteurs de New York pour qu'ils viennent nommer quelqu'un évêque, on fait une cérémonie pompante où les gouverneurs sont invités, on met la chaise là-bas avec les cérémonies pompantes, on fait les jeux de couleurs, on fait les choses, on verse l'huile, on prend les trucs de chemin Israël, les cornes d'huile de l'Israël, on pulvérise celui-là en croyant que c'est ça va le rendre. Vraiment, comme Saint-Augustin avait dit, que ça a un effet indélébile sur lui. On croit que ça va faire qu'il soit spécial. Que non, et que mille fois, non. Ce n'est pas comme ça. Le ciel, depuis le ciel, les ondées retentissent en disant, pour parcourir jusqu'à nous maintenant, pour dire que l'évêque doit être irréprochable. Vous entendez ça sonner, n'est-ce pas, frère? L'évêque doit être quoi? Irréprochable. Marie d'une seule femme, sobre, modérée. Il y a plus de 19 conditions là-bas, donc vous devez travailler ces choses-ci. Sobre, réglée dans sa conduite. Frère Jimmy, souligne-moi ça. Souligne rapidement, réglée dans... Frère Hervé, souligne. Réglée dans sa conduite. Tu avais la souligné. Frère Jimmy, tu avais souligné ça quand? Dans une nuit de prière, en 2014. C'est votre socle. Frère Jimmy, donc réglé dans sa conduite. Dans la nuit de prière, tu as lu cela. Et quand tu as lu réglé dans sa conduite, tu as pensé que réglé dans sa conduite, il voulait dire quoi? Maintenant tu as compris. Que Dieu te bénisse. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Entourez ça, s'il vous plaît, frère. Hospitalier, ça ne veut pas dire que tu amènes quelqu'un à l'hôpital. Hein? Parce que vous voyez hospitalisé, vous croyez que ça peut dire qu'on vous amène les gens à l'hôpital. Non. Hospitalier, ça ne veut pas dire que quand tu es hospitalisé, tu dis aux fidèles que je suis à l'hôpital, donne-moi de l'argent. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Hospitalisé, ça veut dire que ça veut dire accueillant les gens, n'est-ce pas? Que tu sois prompt à accueillir les gens de la bonne manière. C'est-à-dire que, vous savez, les médecins ont ceci de particulier. Quand vous voyez le docteur, quand une maman est un peu souffrante, elle voit le docteur vient et dit que maman, ça va aller, ne t'inquiète pas. C'est ça va aller. Il la rassure déjà que pour montrer son problème n'est pas grave. Mais si quelqu'un est au lit, le docteur fait que il met les trucs pour le stéthoscope pour écouter le battement de peur. Il fait pour il guette. Le malade est sur le lit, il guette seulement le visage du médecin. Si le médecin fait, il se pourrait qu'avant qu'il ne fasse, que celui-là passe. Pourquoi? Parce qu'il connaît que sa position, il est mal barré. Vous devez savoir que vous avez l'effet psychologique également aussi sur les gens qui vous suivent.
Il dit que vous devez être hospitalier, propre à l'enseignement. Frère Jimmy, ça ne veut pas dire que tu deviens frère, ce n'est pas cela. Propre à l'enseignement. Donc tu vas faire comme ça là. Comme par exemple ton cahier est sale, tu fais comme ça pour aller. Par rapport à l'enseignement, on ne doit pas faire comme ça là. Ça veut dire que enlever le levain dans nos enseignements. L'enseignement doit être droit. On doit être propre dans l'enseignement. Ça veut dire qu'on doit être réglé par rapport à notre. On doit être pointu, méticuleux dans l'enseignement. Donc quand tu es en train d'enseigner, ne sors pas, ça ne va pas de tort à travers. D'accord, frère Jimmy? D'accord, mon frère Hervé? Et les frères? Vous avez moi? Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Pour l'autre là, vous connaissez déjà. Ni violent. Entouré. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un aspect que vous devez exercer cela vous-même. Parce que tous ceux qui vont venir toujours vous écouter ne sont pas les gens sur qui Dieu vous a établi. Et par conséquent, au milieu, il doit avoir le contradicteur. Il va avoir les gens qui viennent déceler les fautes. Il va avoir les gens qui vont venir pour éprouver, pour savoir si tu es vrai ou pas. Vous savez, quand vous venez en Jaffa, vous saviez, souvent je disais, bienvenue pour tous ceux qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là pour vous faire le travail, pour écouter, aller dire que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, vous avez commencé à réveiller les gens dans la foule, non? Que vous, pourquoi tu dis ça à moi? Il dit, est-ce que c'était ton nom? Il dit seulement, tu salues les uns et les autres. Que si vous êtes pour la première fois, bienvenue. Si vous êtes là pour la guérison, Jésus a déjà prouvé à la croix pour vous. Soyez guéris au nom du Seigneur Jésus. Si vous êtes là pour épier, pour aller mentir et dire des choses du frère Junior, que Dieu vous bénisse. Faites votre travail. Judas en a fait le sien, il est allé en son lieu. Un frère s'est levé la salle, il dit, pourquoi tu t'adresses à moi? Quand on n'a pas de guérison, chacun a dit Amen. Donc vous voyez ce qu'il en est. Donc dans la foule, tout le monde n'est pas de nôtre. N'est-ce pas, frère? Vous devez savoir cela. Alors la Bible dit ici que il faut donc qu'il soit, ne soit pas violent. Il y a des gens, vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes dit là-bas, il y a des gens qui sont venus confronter, parler à haute voix, parler, bavarder, ils se restent tranquilles. Allez voir. Mais allez voir ce que Dieu les a fait. Parce que je ne me défends pas, je ne me suis pas appelé. Allez voir ce que Dieu les a fait, tous sans exception, tous. Que son nom se soit glorifié. Il dit, mais indulgent, pacifique. Donc, à la place des violences, vous devez avoir l'indulgence. Cette indulgence, nous allons voir cela dans 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26. Indulgent, pacifique. Pacifique. Vous avez suivi comment l'autre frère ici, avec quand il gênait, les gendarmes sont venus les taper. On a tapé, allait boxer le pasteur. Le pasteur a allumé le feu, le coup de poing sur l'autre aussi. Vous savez ce que le pasteur a fait? Ça n'a pas donné. Le pasteur aussi a appelé ses propres gendarmes. Le pasteur dit que ne vous amusez pas, c'est pas parce qu'il porte le costume ici. Qu'est-ce qui arrive, frère? Il oublie le verset biblique qui dit que si on te frappe sur la joue, tu dois être présent toujours. Quand on a donné bonjour, tom, il a dit œil pour œil, dent pour dent. Il s'est subitement retrouvé dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que vous devez avoir le cœur du Seigneur. Si nous prêchons, c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, si nous prêchons ces choses sans la vivre, quand ça va nous arriver, on va voir notre vraie réaction. Votre vraie nature va sortir. Quand on va faire tam, quand tu es en train de tourner, tu vois que le ciel est en bas, la terre est en haut. Tu vas savoir que ici, là, ça fait mal. Tu vas dire que c'est pas parce que tu commences à chercher les versets, mais que même Jésus, en train de le temps, lui-même, il a fouetté les gens. Tu savais qu'il fouettait les gens dans les années de contexte pour dire bien quelque chose. Mais tu vas savoir cela, mais tu veux que ça justifie le fait que tu vas donner le coup de poing à quelqu'un. Frère, il dit que indigent, pacifique, modéré. N'est-ce pas? Il dit désintéressé. Soulignez cela et entouré. Désintéressé. Ce sont les conditions des évêques, n'est-ce pas? Des surveillants. Ok. Il faut qu'il dit. Vous avez déjà entouré désintéressé, non? C'est pour ça, pour ceci, j'avais déjà épilogué là-dessus. Dès le départ. Que ce ne soit pas par motif que vous servez le Seigneur. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Entouré le chapitre, le verset 4. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Donc, le premier test d'un vrai conducteur se trouve dans son foyer. Le premier test pour savoir s'il est mature pour conduire l'église du Seigneur se trouve où? Dans son foyer. Vous voyez, cette condition, chaque condition, prenez seulement ces conditions, observez les pasteurs. C'est pour ça que la majorité des pasteurs, c'est le pasteur selon ce siècle-ci. Le pasteur, le lieu de rendez-vous, c'est, comme ils disent, c'est à l'église. D'autres ont leur bureau. Ils ne savent pas que la vie chrétienne, c'est la vie de familiarité, hein, d'échange. Des pasteurs, il y a des pasteurs qui ne vont même pas entrer chez lui, vous ne savez pas comment c'est chez lui.
Pourquoi? Parce qu'ils savent exactement ce qu'il a à la maison. Ils peuvent sortir avec la femme, ils entrent dans la voiture, ils vont à la prière, on ouvre leur voiture, on ouvre pour la dame, ils entrent, s'assoient là-bas, mais leur cœur n'est pas là-bas. À la maison, ils sont divorcés. Ils sont seulement là comme ça, là, pour la façade. Quand ça va jusqu'au bout, un temps, ils se divorcent, tu entends l'autre part. Que Dieu les protège et que Dieu veille sur vous. Il faut qu'il dirige sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je veux que vous mesurez bien le mot. C'est ici les conditions pour aspirer à la charge d'évêque dont le Saint-Esprit a ponctué comme étant une œuvre excellente. Dont les évêques sont normalement. Des hommes dont sur la terre devraient être des modèles à suivre. Des évêques. Si quelqu'un respecte ces conditions. Verset 5, il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, le Saint-Esprit vient nous enseigner que le terrain d'entraînement d'un vrai évêque commence où? Dans sa maison. Vos femmes doivent être des modèles. Et si quelqu'un vous regarde, ils vont regarder les femmes. Premièrement. Je vais vous raconter une histoire. Voici l'une des raisons pour laquelle je ne voudrais pas me marier. Ça, c'est l'une des raisons. Parce que je savais que la prédication que Dieu m'avait donnée était des prédications difficiles. C'est l'une des raisons pour laquelle j'avais demandé que je ne devais pas me marier. J'avais dit que c'était arrêté pour moi, que je ne devais pas me marier. C'est pour ça que j'avais laissé la barbe partout, ça poussait sur ce que ma bouche était couverte. Quand je regardais quelqu'un comme ça, il me disait qu'il y a quoi qu'un problème entre toi et moi. Il n'y avait pas de problème. Je parlais droit comme ça, je ne riais pas. C'est maintenant qu'il rit avec les gens. Ma femme me dit que tu as beaucoup changé parce qu'il rit maintenant, il sourit maintenant. Comment tu vas, frère? Je n'étais pas là pour comment tu vas. Comment tu vas? Quand tu me regardes comme ça, tu me regardes, ouais. C'était comme ça. C'est des tics au temps. J'avais dit de ne pas me marier à cause de ces passages-ci. Pourquoi? Parce que je savais que la prédication que Dieu m'avait donnée, avec cet esprit d'Élie, était axée principalement pour dénoncer cet esprit de Jézabel en milieu chrétien. Principalement aussi. Là, c'est l'une des choses qui a amené la chute des pasteurs. Vous savez ça? Alors, je savais, sachant cela, je savais que si je prenais une femme et qu'elle ne respectait pas cela, comment vais-je prêcher? Vous voyez cela? C'est pour ça qu'il y a un frère. Ils ont écouté la dernière fois, ils sont venus ici. La dernière fois, comme ils sont sortis vendredi, je ne sais pas quel samedi nous sommes sortis. Le samedi, il y a cela, la semaine dernière, la semaine se passée. Dès qu'on est arrivé ici, on a gardé la voiture, on est entré. On voulait ça. Eux, ils sont venus, ils sont sortis bafoussant. Ils ont dit que ça fait. Ils ont appelé pour venir. Le téléphone ne passait pas. Comme ils sont venus, ça donne. Ils ont dit que non, ils viennent à sa maison. Même s'ils viennent, ils ont la voiture. S'ils viennent, on n'est pas là. Ils venaient d'arriver, on était là. On a passé la nuit ensemble. Il est venu avec sa femme. Monsieur Tony dit à sa femme que, à bafoussant, quand tu écoutais l'enseignement, voici ce que tu as dit. Que je vais voir sa femme à le croire. Il a dit oui, oui, c'est vrai. Oui, voici ma femme alors. Parce qu'ils ont passé toute la nuit là à parler jusqu'à 3 heures. Vous voyez ça? C'est ça que je savais que ça devait arriver plus tard. Les mondains disent que derrière un grand homme se cache une femme. Une femme. Voilà. Voilà. Alors, faire quoi, Jésus-Christ est Seigneur, vivez droitement. Ne t'inquiète pas. On va regarder où. L'église typifie une femme. Pour que tu puisses façonner l'église, il va falloir que tu fasses comme ça. Je vous donne mes petits secrets de l'intimité comme ça. Un jour, je me lave comme je me lave avec mon épouse. Souvent, quand je me lave, c'est moi qui la frotte. Je me frotte, je la frotte. Frère, non, pourquoi tu bouges la tête comme ça? Quand il dit comme ça, frère, ne veut plus dormir. Il veut seulement entendre les choses comme ça. On se lave ensemble. Alors, je la frotte. Je m'étends les pieds, mais les pieds sont libérés. Je frotte. Frère, je vous le dis, le Saint-Esprit entre dans chaque domaine de notre vie. Il dit, ainsi comme tu prends soin d'elle, prends soin de mon église. Vous pouvez imaginer cela. Hier, comme tu prends soin là, prends soin de l'église. Et tu regardes. L'église, c'est une femme. L'église, c'est une. Si vous voulez voir comment l'église se comporte devant le Seigneur, comment Dieu voit l'église, regardez comment les femmes se comportent. Vous devez savoir exactement comment l'église est devant le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est comme ça. L'église, c'est la femme. Donc, si tu veux savoir, ne pique pas la révélation claire et nette devant tes yeux. Si vous voulez savoir comment Dieu voit l'église sur la terre, tournez-vous vers les femmes, observez la façon dont elles se comportent. L'esprit qui règne au milieu des femmes, à cette époque-là, c'est l'esprit. C'est comme ça que l'église est devant le Seigneur. C'est comme ça qu'il disait que tu vas diriger ta propre maison d'abord. Parce que si tu ne dirais pas comment tu conduis l'église du Seigneur, c'est le lieu d'entraînement là-bas. Alors tu travailles, petit, je prends ses ongles, je taille, taille. Tu entends? Ainsi, de la même façon, prends soin de l'église. Il reste tranquille. Prends soin de l'église de la même façon. Il y a les zones où tu dois devoir laver, les zones où tu dois appliquer le remède, appliquer ici dans l'église, comme tu fais pour la femme. Hé frère, non. Pourquoi tu es là? Dis-moi.
Eh frère Arnaud, ça t'amuse, ça te paraît bizarre. Quand il te dit par exemple que je conduis, il dit que ne va pas, sois patient, ça va décanter. Il dit comme ça, il reste tranquille. 2 secondes, la route, là où vous voulez virer, comme ça, elle est bloquée, ici, ouvert. Vous voyez ça? Ce matin-ci, je voulais voir ma grande soeur. On est sorti ici pour aller au marché. Ma femme dit, allons au marché Dakar. Il dit, ok, comme on est déjà en route là-bas, il dit que ça fait déjà plus de 2 ans, ma grande soeur est ici. Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. Okay, elle est dans la zone de Dakar. Appelle-la moi, elle prend son téléphone. Comme le puce était grillé, il n'y a pas son numéro. Il prend mon téléphone, il n'y a pas son numéro. Il dit, ok, dans ce cas, on va la contacter autrement. On va à Dakar, on va comme ça. On veut garer par là-bas. Non, c'est pas là-bas. On garde là-bas. Elle se tient là-devant. Ma grande soeur. Il dit, Georgette, hein? Il dit, viens, viens. Ma femme couvre les yeux comme ça. Hein? Que c'est comment cette affaire? Le téléphone n'est pas fait pour le. C'est pas seulement cela. On peut contacter autrement. Alors Dieu dispose des choses comme ça, dispose les gens. Dieu est Dieu. Même si quelqu'un dit que c'est une coïncidence, il n'y a pas de coïncidence. Parce que lorsqu'elle a dit, on va à Dakar pour dire, j'ai pensé justement à ma soeur. Il dit, ok, appelle-la. Le numéro n'est pas ici. Le numéro n'est pas ici. Il n'y a pas de numéro en tête. Il faut l'appeler autrement, frère Haché. Il faut qu'elle soit là autrement. Elle est là, on a resté 1 heure de temps à parler. On a parlé ce qu'il fallait faire, on a réglé le problème qu'il fallait régler. On est rentré. Hein, frère Haché? On rentre pour emprunter la même route. Elle dit que mais il y a les gens de la famille qui n'ont pas vu depuis. Ok, je dis, passons par là-bas, on passe par là-bas. La personne, ils vont demander d'aller avec la voiture. Il dit, mais voici la personne. Klaxon, il dit, non, ne klaxon pas le soir, klaxon, on fait pim pim. Papa, ceci, papa. Ça fait longtemps qu'on a garé. On a parlé là-bas, 15 minutes, on a parlé. Après, il finissait un pasteur. Il a prié pour nous prophétiser les choses que Dieu nous a dites. Il dit, écris ça. Arrive à nous écrire. Qui est-ce qui fait ça, frère Achille? Dieu entre dans chacun de nos détails. Chacun. Chacun demande la route où tu veux que Dieu, à Dieu, où Dieu tu passes. Il te fait passer. Il parle de ce qui s'est passé ce matin quand nous rentrions. Demande. Il te fait passer par là. Il prend le volant. Pour vous qui êtes en train de voir, chaque fois, prends le volant, mets la main dans ma femme et prie, Seigneur, conduis cette voiture à l'aller et au retour. C'est même parce que tu connais les codes de la rue que tu conduis. La dernière fois, je suis venu à l'assemblée, la roue de la voiture devait sortir. Quand il freinait, ça faisait que sa roue rentrait. Quand le mécanicien venait dedans, quand il est venu pour arrêter, il a dit, regardez comme ça, il a dit, mince. Et je roulais à 140 km sur l'axe nous là, pour venir avec toute la famille là. Quand j'ai suivi ça, le chef m'a dit, mettez la ceinture. Il savait que quelque chose n'allait pas. Parce que j'ai jamais entendu ces précisions. Mettez la ceinture. J'ai regardé. J'ai prié, dit Seigneur, couvre-nous à l'aller comme au retour. J'ai pas mis la ceinture. Mais quand il a dit comme ça, il savait que cette pensée n'est pas simple. C'est pas sérieux. Parce que je savais que comme ils sont entrés dans ce domaine de jeûne, Satan peut faire n'importe quoi pour attaquer. Alors j'ai commencé, j'ai voulu comme ça doucement, comme ça, s'il y a n'importe quoi, je maîtrise. Même sous la colline, je freinais. Quand le gars est venu prendre la voiture pour aller à la voiture, il a dit que mais, tout est, je suis entré moi-même en bas la voiture, c'était foutu. Donc, la voiture, il suffit d'un crack, la roue sort. Imagine, tu es à 140 km/h. Dieu a maintenu, on est allé à l'assemblée rentrer parce qu'on a pris la voiture, aller arranger. Parce que Satan était sur le point de faire quelque chose. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Un jour, je quitte comme ça, il doit aller pour aller à l'assemblée plus tard pour prier chez quelqu'un. Je sors avec la voiture. Normalement, c'est pas moi qui accompagne les enfants à l'école. Je prends les enfants pour aller là-bas. Je prends les enfants pour aller à l'école. Je fais comme ça. Je chante dans un trou en salon. Ça fait la roue sort. J'ai dit quoi, Seigneur? J'ai dit merci, Seigneur. Mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que si je sortais sur la roue, là, il lance, ça fait comme ça sur le tonneau, bien tu vas aller cogner quelqu'un. Il dit merci, Seigneur, que ça soit passé dans le quartier. Des pannes avec lesquelles j'ai roulé, aller à Yaoundé, marcher n'importe où avec la panne de la voiture, ou si tu regardes comme ça, tu vas dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu. Vous dites, je me lève le matin, et puis Seigneur, quand il veut aller là, s'il veut partir, faites attention, parce que nous sommes en guerre, nous sommes en territoire ennemi, et il va utiliser tous les atouts qu'il a pour pouvoir faire du mal. Alors j'ai pris, Seigneur, nous soumettons cette voiture, je te mets les roues, les vis, les écrous, le moteur, à la le corps au retour. On roule comme ça, on part, on rentre, il n'y a même pas l'huile dans la voiture. Le moteur doit s'écouler. Tu arrives, tu finis de garer, tu regardes, tu remarques qu'il n'y a pas l'huile dedans. Une fois j'ai roulé avec la voiture comme ça, la courroie qui tourne le moteur était coupée, je n'ai jamais su. Et du coup, on partait quelque part en ville, on était à Bonhomme, c'est à ce moment-là. La courroie qui tourne sur le moteur là, qui entraîne les roues. Mais tu as suivi, tu savais ça, tu as entendu ça, hein? La pente que je dis, ça s'est coupé. J'ai roulé jusqu'à quoi? J'étais seulement surpris que le volant était dur, devenu dur. J'ai dit que ça c'est quoi? Ma femme elle avait les gens qu'on avait portés dans la voiture pour aller à ce mariage là. Je viens à quoi? Je viens jusqu'à ce que je gare bien, histoire, gros, gars. J'ai dit que c'est pas croyable.
Le volant pesait seulement, dont la courroie avait coupé. Parce que ça avait ça qui ne peut pas diriger. Subitement, il n'y a pas l'embouteillage. J'ai roulé jusqu'à quoi? Allez, garer là, garer. On a fini de manger à, dans le sol marin. Ils sont partis. J'ai fait tchik, vous. Rien ne bouge. Je dis, mais c'est pas croyable. J'ouvre le capot devant que la ceinture, la courroie s'est coupée du tout, donc tout ce qu'on roulait, depuis qu'on roulait là-bas, ça avait coupé, émietté, émietté, émietté. À quoi? Imaginez ce qui peut arriver avec cela en train de rouler. Et je ne suis même pas conscient de ce qui se passe. Une autre fois, c'est que on a fermé le bouchon d'eau là, là où l'eau est, comme ça chauffe. Ça a fait comme ça, on a versé l'eau partout, versé l'eau, le moteur chauffait, ça chauffait, parce que le moteur brûlait seulement. Je roulais, j'arrivais là-bas, je dis, mais qu'est-ce qui brûle le moteur? Quand on a pas bien fermé, ça s'est sorti, c'est tombé. Le moteur devait griller, Dieu n'a pas permis. Satan a tout fait avec cette voiture, tout fait. Il bien tout fait avec cette voiture. Au Nigeria, il a fallu me tuer comme ça, toujours sur la moto. Je suis sorti, vous allez raconter cela. Je suis sorti le matin, conseil pris, mon bébé, j'ai mis ici. Je suis monté sur la moto. Là-bas, il ne roule pas, il ne donne pas le lait là-bas, comme vous roulez ici. Parce que là-bas, les arcs, c'est deux roues. Donc, il roule à tombeau. Comme vous entendez, tombeau ouvert, ça a son sens là-bas. La moto roule comme ça, parce qu'il n'y a même pas de bonne aiguille là-bas. Bouh, subitement, j'étais dehors, derrière, en train de chanter le cantique. Comme ça, ma Bible aussi. Je n'oublierai jamais ces jours-là. Et je sais exactement ce qui se passe. Je n'oublierai jamais cela. Je sais exactement ce qui est arrivé. J'ai commencé à chanter le cantique sans savoir pourquoi chanter le cantique. Le cantique de délivrance. Chant de délivrance. Frère, subitement. J'ai entendu. Entends-toi, quand tu es là, tu as besoin que le son vienne de quelque part. C'était sur moi, c'était la roue sur laquelle j'étais assis. Qui a fait. Frère, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui nous a engendrés. J'ai entendu une main sur la montée derrière. Quelqu'un a arrêté la partie du fer qui est derrière. J'ai senti une main arrêter la moto. La moto a fait comme ça derrière. J'étais seul sur la moto derrière. Avec ma Bible comme ça. Je n'ai pas bougé là. Quand ça a fait toba, je n'étais même pas conscient que j'étais là. J'ai chanté les cantiques. J'ai entendu toba. Les gens qui y avaient à quelques encablés là-bas en bord de route, ceux qui faisaient les menuisiers qui faisaient, ils ont vu l'action. Tout le monde s'est trouvé comme ça. Toi, normalement, avec la moto, la prochaine chose c'est. La qualité, si tu tombes sur le goudron, c'est fini. Oh frère, une main a arrêté la partie, l'extrémité derrière là. Vous savez, quand la moto finit, la partie de derrière, une main l'a arrêté. Maintenir la moto comme ça. Le conducteur aussi comme ça. La moto allait droit. On a roulé au moins sur 100 mètres. Ça s'est calmé comme ça. Ça s'est calmé. Je suis descendu sur la moto. C'est quand je suis descendu sur la moto que je suis revenu à moi-même. J'ai commencé à pleurer des jours. J'ai justement vu comment les gars sont levés et dit que brother, you should thank God. Même les païens vont profiter. Je vous le dis. Vous savez, au Nigeria, tout le monde est chrétien normalement. Tout le monde est chrétien, même s'ils ont la cigarette à la bouche. Il dit, brother, are you a born again? Parce qu'on entend ça partout. Il dit, brother, je suis en God. Il ne sait pas où j'étais. Qu'est-ce qui arrive? Parce que Satan savait qu'il m'a dit, va là-bas parce qu'il t'a montré des choses, des abominations qui se commettent à mon nom. Je vous dis, il y en a beaucoup. Et donc, Dieu va nous délivrer. Comme l'apôtre Paul a dit, il nous délivrera de toute œuvre mauvaise pour nous faire présenter devant lui. Ça veut dire ça? Mais restons sous sa garde, sous sa protection. La Bible est vraie. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce moi qui voulais que la moto s'explose? Est-ce moi qui voulais que ça fait. Ok, mais si tu étais fort, si ça fait quoi? Tu vas tomber, tu vas sauter comme l'oiseau. Donc, il y a autant de choses. Un jour, je vois, j'avais un bus là comme ça, on était en pleine. J'étais devant là. Les places de deux places devant le chauffeur là, le bus. Il roulait au bout de ça, combien 110 km là-bas à Yaoundé, sur l'axe de Yaoundé. Il y a un camion de bois qui avait garé là. On est arrivé, le père qui était à côté de moi dormait. Oh frère, vous ne pouvez pas savoir ces choses-ci. On ne peut pas savoir qui est devant nous, l'ange qui est devant nous, qui marche. Le garçon a fait quoi? Obi, il a voulu faire quoi? Il n'a pas vu le camion là. Il était en pleine vitesse. Frère, il a freiné. J'étais là à la fenêtre. Je vous dis, quand ces choses-ci arrivent, c'est comme si tu sors de ton corps. Tu ne vois pas l'événement. Mais tu as de voir l'événement, mais il n'y a pas de sentiment dedans. Tu ne sens pas la chose comme les gens sentaient. Tu entends derrière, waouh, wow, le père qui était devant moi s'est levé, il m'a agressé comme ça. Parce qu'il a rêvé, quand il s'est levé, subitement, son œil a frappé sur le bois là. Le garçon a freiné. Le bout de la voiture, la partie, comme c'est la partie du côté droit, les bois qui tendent derrière là, étaient devant la vitre comme ça, devant nous comme ça. Là où la voiture s'est stoppée, j'étais devant comme ça. Calme comme ça devant. Ok.
Si tu veux fuir, tu veux voler, ça cogne, tu vas faire quoi? Tu peux te garder. Il faut se confier au Seigneur. Pour que si ça arrive, que ça arrive, que tu sois avec lui. C'est en cela que ça consiste. Alors il a freiné. Moi, les petites choses de débordement à gauche, c'était le tonneau. Mais c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Il a freiné. La voiture s'est arrêtée. Ça a stoppé exactement au bout, nez à nez. C'est ce que fait quand j'ai crié, quand le père qui était à côté de moi, quand il dormait, il faisait toute sa tête comme ça. Quand il s'est levé, subitement, il a vu le bout de bois qui venait comme ça. Tu sais, quand il a freiné, c'est comme si c'est le bois qui avait cogné. Il pouvait mourir, crise cardiaque comme ça, alors que l'accident n'a pas eu lieu. Mais la Bible déclare que ceux qui se confient au Seigneur ont un appui ferme. Un appui ferme. Beaucoup de choses, au fur et à mesure, je vais vous raconter comme ça. Là. Donc, soyez seulement vrai avec le Seigneur. Quand Satan fait cela, il sait pourquoi il a fait cela. Il veut effrayer. Il croit qu'il veut tuer. Vous ne pouvez pas quitter la terre sans que vous n'ayez accompli ce pourquoi vous avez été appelé. Faites donc tout et tout seulement pour accomplir. Quand le moment arrive, Dieu vous fait quitter. Il vous dit, prépare-toi parce que tu vas bientôt partir. Tu es fier de partir. Maintenant, si vous dites, non, que vous rêvez que vous avez mort là, c'est fini. C'est tout le jour. Chasse-moi l'esprit de mort sur moi, frère. C'est pas ça, frère. Que j'ai encore à donner. Tu peux commencer à dire au Seigneur les recommandations. Tu sais que j'ai encore beaucoup à donner sur la terre ici. Parce que tu n'as pas pris. Que le Seigneur, tu sais que j'ai beaucoup encore à donner. J'ai seulement quoi? 25 ans. Il faut que j'ai. Seigneur, je vais prêcher aux jeunes. Parce que tu ne veux pas mourir. Frère, soyons prêts. Travaillons pour le Seigneur. Le reste des temps qui nous reste à vivre, travaillons pour le Seigneur. Si Dieu nous donne 1000 vies, travaillons pour lui pour les 1000 vies. Si nous donne 1000 ans, qu'on travaille pour lui pour les 1000 ans. Que notre vie soit seulement son témoignage et pour lui. Que ce soit un parfait de bonne odeur, agréable pour lui. D'accord, frère? Donc, réglons nos vies, disciplinons-nous, réglons nos vies afin que partout où nous sommes, nous témoignons de sa grandeur. Nous témoignons de sa grandeur. D'accord, frère? Je me souviens donc quand on rentrait, il rentrait là-bas, on a pris l'avion, passant par le Bénin, on a pris l'avion, arrivé à un niveau de nez, il y a les trous d'air, ça a commencé. Tu vois comment chacun a commencé à sacrifier, tu entends seulement. Le gaz, chacun pète là-bas parce que c'est fort. Brrr. Il savait une chose, il a dit que tu as quitté le Cameroun, il t'envoie dans le pays pour que tu puisses former le jeu. Est-ce que c'est dans la mort qu'il va me faire? Il savait que l'avion devait arriver. Il était calme dans mon coin là-bas, regardant moi seulement les nuages dehors, contemplant les nuages en disant, oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Que dit les hommes? Voici une touffe de nuages qui suffirait seulement pour éblouir tout le monde. Mais l'avion passe au milieu des nuages, passe au milieu des nuages, mais l'être humain sur la terre, il frappe la poitrine. Il dit que je veux te montrer, je veux l'être humain. Pendant que les gens se disent que Jésus, c'est à ce moment-là que tu entends Jésus, chacun fait le signe de croix, l'autre sur les grilles, l'autre dit que non, 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 j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi si je meurs. Vous allez, non. Quand il va sortir de l'avion, il va conduire le péché parce que l'avion n'a pas eu lieu. Faisons confiance au Seigneur. Servons le Seigneur. Soyons des exemples. Notre maison, comme je disais, doit être le lieu d'entraînement. Je présente cet exemple pour vous dire que le Saint-Esprit entre dans chaque domaine de notre vie. Il n'y a pas de domaine où il ne veut pas entrer. Il n'y a pas de domaine où il ne veut pas entrer. Tous les domaines, comme je l'ai dit dans un enseignement, quand vous êtes chrétien, vous devenez chrétien avec tout ce qui vous appartient et qui vous appartiendra toujours. Tout, c'est pour le Seigneur. Tout, c'est pour le Seigneur. Il dispose comme il veut. Comme il veut. Vous êtes d'accord pour quand l'autre voiture marron n'était pas là? Vous avez, tu étais là, non? On a prié. Il y a ma femme qu'on est, on ne prie pas comme ça. J'enseigne aux gens à prier. Prions de la bonne façon. Tu veux, toi, tu veux qu'il y ait une voiture. Il dit, je vais entre les deux. S'il dit, non, non. Tu veux quoi? Il dit qu'il veut la Mercedes. Prions donc pour la Mercedes. On a prié. Papa Dieu est venu. S'il dit qu'il y a une Mercedes là-bas. Frère, je me sens que c'est bon pour toi. Voilà, Mercedes dehors. On lui a demandé. Voilà Dieu faisant. Voilà Dieu faisant. Voilà la Mercedes dehors. Pourquoi c'est pour lui? Satan veut utiliser ça pour que ça fasse les pentes pour me tuer. Pour tuer, pour qu'il ne fasse pas l'œuvre. Pourra-t-il faire? La Bible déclare qu'il ne laissera pas mourir au bon plaisir des méchants. Parce que la course n'est pas achevée. Si la course est achevée, que le bâton vous avez tracé, Dieu, gloire à Dieu, je rentre moi à la maison. Il dit que c'est pour vous maintenant sur la terre. Vous aurez des tribulations. Prenez courage. Christ a vaincu le monde. Pas vrai, frère? Hein, tu parles. Qu'est-ce que tu enseignes? Rentrons dans notre 1 Timothée 3 là. Faisons confiance au Seigneur. Confions-lui tout. Il désire entrer dans chaque domaine. Il désire entrer dans chaque domaine de nos vies. Regardez le frère Haché, ce que le frère Haché a fait hier soir. Tu étais ici hier soir, non? Quand on lui a demandé de prendre la machette, il va faire telle chose. Tu étais là. Tu as vu comment je l'ai appelé subitement que rentre ici. C'était grave, le jugement qui a commencé.
Le Saint-Esprit dit que faites pas ça, demande-lui de rentrer. Comment il a failli d'avoir dit de ne pas faire ça, il s'est resté tranquille. Il a dit j'ai commencé à prier. Parce qu'il a voulu te demander les noix là, ce sont les noix de qui. Soyons seulement à l'écoute du Saint-Esprit. Souvenez-vous, les dons et les appels sont sans repentir. Vous avez besoin du revêtement. Le revêtement pourra-t-il être donné aujourd'hui? Verset suivant nous dit, verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. On fait attention dans votre ministère. Comment vous allez commencer à servir? Ne voyez pas quelqu'un vous donner les responsabilités n'importe comment. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, des peu qu'enflé d'orgueil. Parce que vous savez, quand il commence à avoir des révélations, de connaître la parole, il peut commencer à gonfler. Il ne sait pas que plus Dieu te montre, c'est pour que tu t'humilies, parce que tu n'as pas fait quoi que ce soit pour connaître cela. De peu qu'enflé d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Vous entendez ça? Sur le quoi? Ça veut dire que les chrétiens sont en observation devant le diable. Il guette chaque fois pour surveiller. Souvenez-vous. On dit de lui l'accusateur de nos frères. On dit conduis-toi. Conduis quoi? Même mon conducteur de baisse qui est sur la terre le dépasse. Imaginez ce qu'il fait faire. Souvenez-vous dans Zacharie 3 où il allait devant le souverain sacrificateur devant le Seigneur avec Josué. Il dit le voici. Il dit que ce souverain sacrificateur, celui qui va porter le péché de ton peuple, le voici sale, sale comme ça. Là. Ton peuple est fini. L'ange de l'Éternel dit Satan, que le Seigneur te réprimande. Ôtez-lui ses vêtements sales. Voilà la justification. Alors. Satan nous épie. Il dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, ça. Il tombe sous le jugement du diable. Parce que Satan va regarder sa trace en lui. Vous voyez cela? Il peut injecter n'importe quoi et malheur au peuple qu'il dirige. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Souligner ceux du dehors. Donc, normalement, l'approbation, vous savez, il y a des moments où Dieu utilise même les mondains pour confirmer que non, c'est la personne, sinon, il mérite. C'est quelqu'un qui est calme. C'est les mondains qui disent aujourd'hui que c'est celui qui est évêque, pas le nommé évêque. Celui qui vient chez moi, chercher ma petite soeur ici. C'est ce qu'on dit pour montrer que le témoignage du Seigneur de Dieu montre qu'on ne doit pas mettre celui là-bas, mais celui qu'on consacre. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous avez encore vu cela? Souligner les pièges du diable. Donc, 1. Satan nous épie. 2. Il a ses pièges qu'il a mis en place. On parle des chrétiens ici. On parle des dirigeants. C'est donc Satan cherche des voies et moyens pour captiver les dirigeants. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Quand il capture, quand il parvient à capturer les dirigeants, qu'est-ce qu'il fait? Il soumet tout le peuple. Regardez tout ce qu'on détourne de chaque fois. Doctrine de prospérité, doctrine de confession de la foi. Vous avez ce qu'il en est. Il captive quelqu'un qui va diriger. Sachant qu'avec lui, il va injecter son poison dans la grande foule. Il donne ce que tu veux. Donne ce que tu veux, la prospérité, la célébrité, ou tu crois que tu as de servir Dieu et que tu n'es pas vu Dieu depuis. Que Dieu nous en préserve. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, parmi vous, les diacres qui sont parmi vous doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience. Peu. Qu'on les éprouve d'abord. On parle de qui ici? Les diacres. On éprouve les diacres. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Vous savez, le rôle des diacres, on va y revenir. Vous savez, le rôle des diacres, on dit qu'on les éprouve d'abord. On doit regarder si ils sont dignes d'être les économes, d'être les gardiens des fonds de l'église. S'il y a les contributions qu'on fait pour donner les frais pour envoyer aux frères, la personne qui arrête, qui fait sa contribution, qui reçoit cela, ce sont eux. Il dit qu'on les éprouve. C'est pour ça qu'on parlait de gains sordides, de duplicité. C'est pour ça que quelqu'un qui a déjà eu des fausses affaires avec l'argent dehors, on a dit que le frère a pris l'argent à celui-ci, il a dit qu'il va remettre, il ne va pas remettre. Donc si on lui confie l'argent de l'église devant le Saint, il risque de manger cela. C'est pour ça qu'on dit qu'on les éprouve d'abord. Donc si quelqu'un, on pense que celui-ci va être diacre, vous pouvez vous réunir. Vous donnez par exemple 20 000 à ses frères-là. Si 20 000 est trop pour vous, donnez-lui 2 000. Que frère arrête, ça va prendre ça à un moment donné. Vous attendez 2, 3, 4 mois. Vous dites que frère, donne-moi les 2000. Vous voyez ce qu'il en est. La personne dit que 2000 là, quoi que tu m'aies donné que je mets le carburant. Tu comprends que ce n'est pas un frère ici avec qui il peut être diacre du Seigneur, n'est-ce pas, frère Achille? C'est pour ça qu'il a dit qu'on les éprouve d'abord. Comme le Saint-Esprit a dit qu'on les éprouve, vous mettez quelqu'un diacre sans l'éprouver, il faut vous aurez la responsabilité devant Dieu parce que Dieu a déjà donné comment il doit faire le procédé.
Si quelqu'un dit que non, vous êtes les évêques maintenant de cette église, et que vous dites, on n'a pas, vous n'respectez pas les conditions, n'respectez pas les conditions, alors c'est toi qui l'as établi qui va avoir des problèmes devant le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand il dit qu'on les éprouve d'abord, l'épreuve doit passer. C'est un des sujets, comme il parlait de 1 Timothée 5, il parlait des veuves, il dit qu'on a dit qu'elle n'est pas moins de 60 ans. Donc, si tu as 59 ans, 6 mois, c'est ton problème. D'après la Bible, ce n'est pas encore veuve, au sens du Nouveau Testament. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'elle a dit qu'elle n'est pas moins de 60 ans, non, c'est 60 ans à mon temps. C'est pas ça, frère? Voilà. Donc, si quelqu'un me dit que non, celle-là, tu vas l'appeler, alors comment? C'est ton problème. Si tu as le vocabulaire pour l'appeler, appelle-la. Elle est veuve moins 1, veuve moins 6 mois. C'est pas ça, frère Donatien? Voilà. Verset 11. Les femmes des mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Bon, ici, dans cette version, si on voit les femmes, il n'est pas question des femmes normales ici. Normalement, ce sont les femmes diacres, normalement. Le contexte du verset veut que ce soit les femmes diacres, les diaconesses. C'est ça dont il est question là-bas. Les femmes des mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres, vous voyez, on revient encore sur les diacres. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, même condition comme les évêques, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Donc en réalité, si vous regardez ces conditions-ci, et que vous regardez d'autres chrétiens, les critères qu'on demande à d'autres chrétiens, vous allez voir que c'est les mêmes critères. Ils disent normalement parlant. Parce que la Bible déclare qu'il faut qu'on soit irréprochable. Et c'est la même chose qu'on a dit ici. Il faut que le jour du Seigneur qu'on soit irréprochable, irrépréhensible, sans tache ni ride. C'est la même chose. On n'a pas dit ça seulement pour les évêques. Donc c'est les conditions sine qua non. C'est parce qu'en réalité, l'évêque doit porter la marque dont Dieu cherche pour l'église. Et par conséquent, donc, cette marque étant en lui, il doit être le modèle du troupeau. Donc il doit être un reflet de ce que Dieu a recherché. C'est pour cela qu'on ne vient pas là-bas par acception des personnes, par monnayage, ou bien par positionnement, ou par intérêt, ou bien par familiarité. C'est un appel divin. Amen. Verset 13, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable, soulignez ça, et une grande assurance dans la foi en Yeshua. Vous avez vu? Car ceux qui remplissent quoi? Convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Donc, quand tout à l'heure, comme nous avons vu, quand le Seigneur venait demander des comptes rendus à ceux à qui il a demandé le talent, vous avez vu ce qu'il a donné comme appréciation. Attendons l'appréciation du Seigneur, pas l'appréciation des hommes. Mais faisons tout et tout pour être Dieu d'une conscience pure, sachant qu'on a travaillé devant les hommes en une même conscience. Sachant que Dieu nous voit et les hommes nous voient. D'accord, frère? Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'apôtre Paul lui dit que je donne ces instructions-ci, que ça soit devant moi, avant qu'il ne vienne. Pour que le temps qu'il ne vienne pour te rencontrer, que tu saches la façon que dans l'église du Dieu vivant, ce n'est pas la cour du roi Péto. On ne fait pas n'importe comment, là-bas, on ne se comporte pas n'importe comment. C'est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne, écoutez bien ça, frère. La colonne et l'appui de la vérité. Frère, dis-moi où est ta colonne vertébrale. Tu vois très bien que c'est ça qui te fait tenir debout, non? Si ça se brise là, tu vas être toujours couché, handicapé pour toujours. On dit que c'est ça qui soutient la vérité. La vérité passe par là pour être maintenue par l'église du Dieu vivant. C'est à l'intérieur maintenant qu'il se trouve toujours le mouchardage, toujours le mensonge, toujours l'hypocrisie. Là où la vérité doit être manifestée. C'est arrivé au niveau où les philosophes continuent à poser la question, qu'est-ce que la vérité? Et on dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est sur quoi la vérité s'appuie pour se manifester. C'est l'église. C'est terrible, pas vrai? Vous voyez pourquoi? Si ces gens-ci, ces qualités des personnes qui sont données là, ils doivent être des références pour l'État, pour les pays, pour l'intégrité. Mais c'est eux, vous voyez quand le président reste à la télévision, il voit, on dit que tel pasteur a été arrêté parce qu'il a fait telle chose. Vous pensez qu'il peut créer un ministère de religion, quelque chose comme ça? Il va, sur quelle base, il va mettre qui? Lui étant franc-maçon, il va mettre qui là-bas? Il met un qui, il s'entend pas avec un qui, il met Jean Baga, fait dans le pétrole. Il est dans le business. Ils savent tout entre eux là-bas, ils se convaincent. Le business qu'ils font à l'intérieur, c'est forcément. La civicie. La chevêché des hommes. Pour aller prendre les trucs. Tu vas le faire comment? Ouais, je viens de le dire comme ça, ça sort tout simplement comme ça. Ça, le businessman, il porte le blanc comme ça, là, à l'intérieur, il y a les mines, il y a les sissons. Oui. À
nationale, société d'air, et les gros crédits qu'ils ont pris dans le bateau en Mosée, ils ne les ont pas poursuivis. Vous avez suivi, n'est-ce pas? On va les poursuivre comment? Parce que c'est son autorité. Vous avez vu? Alors? On a engagé les poursuivis, ça a été fait. Et tout fait. Vous allez faire quoi? Il y a beaucoup de banques qui tombent comme ça à cause des gros crédits qu'ils ont reçus dans le bateau. Vous avez suivi, non? Ce sont les trois abattements là. Ok, on parle des grands l'archevêque. Oh, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure là que l'évêque doit être modéré. Il va être réglé dans sa conduite, irréprochable, désintéressé, éloigné de la duplicité. On a parlé là-bas, là, éloigné de la duplicité. Un évêque qui est censé être la servante de Dieu, le voilà dans le business. Frappe les gens comme ça, là, tu vois. Voilà, il prend parce qu'on les appelle les évêques et les archevêques. Non seulement il est évêque, il est chef d'évêque, donc, normalement, si on regarde au niveau des chefs. Si on met chef, comme ils ont décidé de mettre chef sur eux, des règles là. Si on met chef sur eux, ça veut dire que leurs conditions doivent aller dans un corps très grave. Vous voyez, quand ils quittent d'un paroisse à l'autre pour aller dans les paroisses de circonscription, l'argent que ça rentre, c'est un problème. Vous voyez les guerres d'intérêts qu'il y a là-bas. Alors le président voit tout ça à la télévision. Vous pensez qu'il va nommer qui ouf? Lui-même il est dépassé. Alors que la colonne la plus de la vérité devait être pour le soutenir. On devait avoir les gens qui peuvent aller leur influencer en leur disant la vérité. La Bible déclare dans ses proverbes chapitre 15 là-bas, ouvrez la bouche à le roi pour ami. Même si je dis la vérité, c'est le choc, ça le fait. Il faut dire la vérité. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut dire, c'est nécessaire pour le bien qui gonne, il vient un serviteur de Dieu, tu parles. Il faut cracher la vérité. Même si c'est pour le moment, quand tu dis, c'est pas bon, on peut t'enfermer, pas de problème. Mais les gens ont peur. Vous pensez que sur les antennes, quand ils parlent, le gouverneur, je suis sur une radio, donc le responsable était quelqu'un qui est proche du délégué du gouvernement. Ils ont fermé une prochaine fois, non? Juste parce qu'on est arrivé, j'ai prêché là-bas. Parler des catholiques, partout de ceci, le lendemain en venant, ils ont écrit, la chef des chaînes a écrit la lettre qu'avait le doigt. Il n'a pas tapé, elle a pris le stylo, écrit que l'émission a été jusqu'à nouvel ordre. Affiché là-bas que c'est signé à directeur, que merde, il est qui pour juger un catholique? Le frère venu me voir, Il dit que frère venu, reste tranquille. Elle qui a encore ouvert l'émission, on ne paye pas là-bas. N'est-ce pas qu'il a donné? Ça n'a pas suffi, il a ajouté encore 20 minutes. Alléluia. Amen. Il m'avait fermé à Radio Bonne Nouvelle. J'ai demandé quoi? J'ai dit au chef de chaîne que tu es devant moi comme Pilate, devant Jésus. Tu ne feras que ce qui est écrit. Il a dit, tu as compris, il a dit que je suis con. J'ai compris. C'est lui pas lui qui m'a appelé qu'on fasse des émissions. C'est lui qui m'a appelé, non? Je ne payerai jamais. Je ne mènerai jamais. Si Dieu sait qu'il a mis la vérité en moi et qu'il veut que son peuple écoute, il va ordonner les gens de venir demander. Je m'en réjouis seulement parce que la vérité est en train d'être prêchée. On ne peut pas cacher cela. On a fait blesser à donner aussi. C'est pas ça qui t'a attrapé. Il a attrapé ceux qui devaient attraper. Ils ont fermé l'émission. Mais ça a fait son effet. Et ça continue à faire ses effets. Parce que laisser les points distribués partout là, ça ne fait que bouleverser. Pourquoi? Quand il a dit, frère, faisons cette émission, il a dit, donne-moi 3 jours. Il n'est pas gêné. Père, par cette émission, appelle tous tes invités brebis. Tous ceux que tu as destinés pour écouter, écoute. N'es-tu pas à la maison, il ne t'a pas parlé? C'est pas pour tout le monde. Alors, on ne monnaie pas. Frère, on va faire comment? Prenons 5 ans, on paye l'étranger. Je dis que je ne paye pas. Je n'ai pas l'argent. Dieu m'a donné la bouche pour bavarder. Il m'a donné la bouche pour bavarder. Il n'a pas donné l'argent. J'ai seulement ma bouche. Je m'assois quelque part, je bavarde. Invite-moi, je viens bavarder. C'est mon rôle là-bas, je bavarde. Alors, je ne paye pas d'argent. Si vous payez l'argent, vous payez l'argent. Oui. Donc, quand il m'invite dans l'émission, il dit que vous soyez en sûr. Si vous m'invitez dans l'émission, si on fait votre émission, vous ne serez pas fâché, non? Il dit non, non, pas fâché. Alors, dans ce cas, je suis prêt. Il balance la sauce. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Si c'est fini, on sort, les gendarmes sont, ils m'arrêtent là-bas, il n'y a pas de problème. Je me présente, serviteur du Dieu vivant. Si tu veux dire ce chose, oui, il n'y a pas de problème. Je me tiendrai là-bas et témoignerai Jésus-Christ. Si j'ai dit quelque chose qui est mauvais, dites-le moi. Et si vous pensez que j'ai dit quelque chose de mauvais, tirez les sanctions et afférents. Si c'est 6 mois que vous me donnez, donnez-moi 6 mois. Là-bas, il se trouve les hommes là-bas qui ont besoin de Jésus. Je vais prêcher. Quand 6 mois vont sortir, on me vit à la radio, je vais parler. C'est ça, frère? Ok. Donc il dit, j'ai écrit ces choses-là avant qu'elles ne viennent, que tu saches comment te comporter. Donc il y a un comportement dans l'église de Dieu vivant. Ce n'est pas la cour du roi Pétou. Alors, il dit, allons au chapitre 4 maintenant. Mais l'Esprit dit expressement, je vous ai dit tout à l'heure 1 Timothée 3 et 4, parce qu'on devait lire cela pour voir ça au fur et à mesure. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie. Vous voyez les gens à qui vous allez faire face, n'est-ce pas? Vous allez faire face aux gens qui ont été induits en erreur. Des gens qui sont là, donc c'est les esprits qui sont allés les utiliser, des esprits démoniaques pour enseigner autre doctrine. Qui seront proches de ce que vous allez dire, mais tordus. Mais il faut enseigner la vérité selon la droite. Souvenez-vous de la piscine. Souvenez-vous de la piscine.
par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, vous voyez cela, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir. Vous y êtes? On est dans le chapitre 4 maintenant de Timothée, frère. On est déjà au verset 3 du chapitre 4. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créé pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Oh mon Dieu! C'est que le frère Bogdan aime la viande de porc, dit que comme la viande de porc. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous avez vu cela? Maintenant, verset 16, c'est verset 6. C'est pour ça qu'il dit, chapitre 3, chapitre 4. Suivez attentivement. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Vous avez vu cela? Vous avez vu tout à l'heure, vous parlez de christocentricité dont les gens parlent, n'est-ce pas? Vous avez vu ce que l'apôtre Paul a dit que celui-ci enseigne? Voici les choses qu'il a dit ici sont les choses qu'on doit exposer. Quand tu vas dire que l'évêque, quand tu vas parler d'irréprochable, il va falloir que tu enseignes sur ce que tu as donné par irréprochable. Hospitalier, il va falloir que tu enseignes là-dessus. Vous avez vu que depuis qu'on a des listes là, c'est ici qu'on a trouvé le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Que quand tu vas faire ces choses-là, en faisant ces choses-là, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. En exposant. Quand on parle d'exposer, ça veut dire dévoiler, développer. C'est pas ça, frère? Il faut développer cela. Détaille cela. Donne la compréhension de ça aux gens. En faisant cela, quand les gens vont percevoir ça, tu seras un bon ministre du Seigneur Jésus. Faites-le, frère. Faites-le. Allez devant le pied du Seigneur. Demandez au Seigneur. Lisez ce qui est dans la Bible. Demandez l'explication. Quand vous comprenez, allez expliquer au frère ce que ça dit. D'accord? Il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Vous avez vu cela? Conte profane. Vous savez ce que ça veut dire profane? Quelque chose est profane lorsque ça s'éloigne de ce qui est sacré. Ce qui est profane, c'est quelque chose qui est contraire au ce qui est sacré. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Et absurde. Les choses qui sont absurdes, c'est quelque chose que ça ne sert absolument à rien. Ça ne t'avantage à rien. Ça n'avantage ta foi en rien. Oui. Est-ce que tu sais que tu vas te tourner 300 tours par minute? Oui, et ça fait quoi? Si on ne peut pas tirer un enseignement là-bas, tout à l'heure parler de la terre qui rotait pour avancer dans la Bible, pour montrer la souveraineté de Dieu créateur, la grandeur de Dieu créateur. Si ce n'est pas comme ça, oubliez tout cela. Vous voyez? Verset 8. Et c'est là où nous sommes maintenant. Merci Père. Exerce-toi à la piété. Encadrez ça, frère. Si vous avez encadré, mettez la couleur. Remarquez très bien que ici, c'est l'ordre que l'apôtre Paul a donné à Timothée, qui est un évangéliste, n'est-ce pas? Il a donné une recommandation comme je suis en train de vous donner maintenant. Il dit, exerce-toi. Quand on parle d'exercice, il s'agit de l'exercice. Il dit, exerce-toi à la piété. D'accord? Souvenez-vous, vous ne pouvez pas vivre la vie de piété sans obéissance. Et ça ne vous sert absolument à rien. Piété et obéissance vont automatiquement de pair. Piété et obéissance vont de pair. Il n'y a pas de piété sans obéissance. Il n'y a pas d'obéissance sans piété. Les deux sont liés. Ok? Je vais vous expliquer cela pour que vous compreniez. Prendre un aspect de la piété. Prenons un exemple simple pour que nous soyons à l'intérieur. Le jeûne. Nous sommes en train de jeûner. C'est une vie de piété. D'accord? Nous sommes en train de jeûner. C'est une vie de piété. Le principe de Dieu veut qu'on pardonne. Et tu es dans le jeûne. Donc tu es en train de vivre la vie de piété. Mais Dieu dit qu'il faut pardonner. Il faut détacher les gens dans le cœur. Tu jeûnes tout en n'ayant pas peur. Pardonner. Et tu sais effectivement qu'il faut pardonner. Tu sais qu'il faut pardonner. Donc il faut obéir à cela. Mais tu dis qu'il m'a fait trop de mal. Non. Il va d'abord attendre. Il faut que je lui fasse d'abord sa justice pour qu'il comprenne que ce n'est pas bien ce qu'il a fait là. Tu sais ce que tu as fait, ça, frère. Tu as détendu ici, mais tout en gênant. Donc tu as d'exercer la piété ici, tout en désobéissant. Pourtant, Dieu lui dit parce que comment il faut gêner. Il faut dénouer le lien de la servitude. Hein? Enlever les chaînes de la méchanceté dans ces Esaïe 58. Voilà, n'est-ce pas? Voilà le jeu auquel il prend plaisir. Renvoie libre l'opprimé. Si quelqu'un est opprimé dans ton cœur, il faut le libérer. Alors les deux vont de pair. Je jeûne, je suis dans le jeûne, il faut que j'exerce, je regarde dans mes voies si je suis désobéissant quelque part pour remédier à la situation. D'accord, les frères? Donc, la piété va de pair avec l'obéissance. Et si vous êtes conducteur, vous êtes désobéissant dans un aspect de la parole. Ne vous attendez pas à ce que quand vous allez prêcher quelque chose à quelqu'un, que la personne soit obéissante.
Parce que le même esprit qui va vous couvrir, vous ne pourrez donner que ce que vous avez. Si vous êtes rebelle, vous allez avoir des rebelles au devant de vous. Dieu vous mettra des rebelles aussi. Si vous êtes soumis au Seigneur, le Seigneur va vous mettre les gens pour que vous transmettiez cela. Les caractères du Seigneur qui sont imbibés dans votre être vont se refléter là-bas. C'est ça qui doit se refléter. Vous donnez exactement ce que vous recevez du Seigneur. C'est exactement comme ça. Quand vous mettez le miroir comme ça sur le sol, ça ressort le sol, vous bloquez ça là-bas. Ce qui va là-bas, qui réfléchit là-bas, c'est ce qui vient d'ici. C'est pas ça, frère. Nous devons refléter le Seigneur. Refléter le Seigneur. N'en soyons pas que le Seigneur est. Ne soyons pas, comme je dis toujours, ne soyons pas des panneaux d'indication. Ou qui dit Kinshasa à 244 km, mais ça ne va jamais à Kinshasa. Yaoundé, Douala Yaoundé, 210 km. Vous êtes à 210 km, vous venez, vous voyez, 210 km, vous avancez à Yaoundé, la plaque reste là. Soyons des gens qui sont de conduite, qui avancent en disant que suivez mon chemin. N'ayez pas peur, n'ayez jamais honte de dire soyez mes imitateurs, n'ayez pas peur de faire cela. Mais faisant cela, soyez dans le vrai. Quand vous êtes dans le vrai, n'ayez pas honte de dire soyez mes imitateurs, vivez comme moi je vis. D'accord? Parce que l'apôtre Paul a dit que soyez mes imitateurs, portez les regards sur moi et sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Portez les regards sur eux. Ok. Donc ici, il dit exerce-toi la piété. Après, il dit car l'exercice corporel est étudié à peu de choses. On voit les pasteurs qui font le bodybuilding. Tu sais ce qui se met sur Facebook. Avec les ventes, ils montrent les ventes, comment ils ont les plaquettes de chocolat. D'autres montrent comment ils ont porté les fers pour montrer que si tu viens le boxer, toi-même tu vas savoir de quoi il est question d'abord. Donc le pasteur lui porte des moulins pour montrer que son muscle est là. Quand il prêche, tu as peur de lui parce que si tu ne crois pas, il va te boxer. Non. Il dit l'exercice corporel, donc l'exercice sportif que nous faisons pour maintenir notre corps est utile à peu de choses. Mais il dit maintenant, tandis que la piété est utile à tout. En effet, quand vous jeûnez, vous mettez tout le corps en jeu. Vous voyez ça, frère? Le jeûne permet même la guérison et la restauration des cellules mortes. Les cellules mortes se nettoient, les reins se purifient, le corps se nettoie. Les orientaux connaissent bien cela, bien qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils utilisent les techniques des jeûnes pour guérir les cancers. Beaucoup de personnes ont été guéries du cancer seulement en jeûnant. Mais ils jeûnent comme ça en étant désolés parce qu'ils ne sont pas en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul André dit ici par le Saint-Esprit que la piété est utile à tout. Pourquoi? Parce que ça a deux promesses. La vie présente et la vie future. Si vous êtes prédicateur, vous êtes conducteur, vous passez le temps dans le jeûne et la prière, ce sera difficile. Il dit, sans parler d'abord de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, ce sera difficile que vous soyez malade. Difficile. Que la maladie vient et que c'est Satan qui a de frapper pour pouvoir éprouver ton corps dans l'ordre des choses. Difficile que vous soyez malade. Il y a des petites maladies comme ça qui peuvent vous arrêter, les palus et autres, ça peut vous arrêter. Parce que constamment vous êtes en jeûne, votre cellule se renouvelle, votre corps, le système se pue chaque fois. D'abord, pour dire que c'est utile pour vous. Pourtant, vous allez faire l'exercice sportif, vous pouvez aller faire ça, c'est ça qui vous donne même l'arrêt cardiaque. Vous savez ça, frère? Vous courez, vous avez un rythme que vous ne mesurez pas, votre cœur bat un rythme là-bas, que c'était, ça vous surprend, vous tombez là-bas. Vous connaissez le journaliste de la radio FM105 qui allait faire le sport, elle est morte là, non? Votre chauffeur. Il a dit quoi? Il avait mis l'homme sans faire le sport. Oui. C'est levé un dimanche. Il a pris un rythme assez soutenu. Il disait qu'il était fort. Il a essayé alors que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait le sport. Il boit beaucoup d'alcool. On s'est dit à un moment donné, c'est comme si son cœur allait s'arrêter. Voilà. Il a dit ralenti. Il n'a pas pris un taxi pour entrer. Et quand il a fait ça, il s'est demandé que tu as pris un rythme d'être fort. Il fallait aller pour ici. Doucement. Vous voyez? Alors que maintenant, vous avez fait 21 jours de jeûne, l'autre 40, l'autre est un habitué de 7 jours de jeûne. Et ça joue entre vous. Courage, Dieu voit tout. Il n'y a aucune de ces choses qu'on nous faisons pour l'amour de son nom qui se perd. Jamais. Vous comprenez, frère? Ok. Il dit donc, exerce-toi la piété, verset 8, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Donc la piété, la vie, la crainte du Seigneur. Quand quelqu'un craint le Seigneur, il se maintient lui-même dans la sainteté. Vous voyez, la piété avec tout ce que ça concourt, le jeûne, l'abstinence et autres là. Maintenant, nous, regardez bien, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Vous recevez cette parole, ça, frère? Vous recevez ça? Il dit, c'est là une parole digne d'être reçue. Donc, il ne faut pas qu'on vous trompe. Il parle comme ça parce qu'il sait que, enfin, en leur temps, ils connaissent bien ce qu'on appelle les Jeux Olympiques, où les gens partent faire le sport comme maintenant. Il n'y a pas d'époque où on ne parle pas de sport. Même si on dit que manger, dit tout, faites de l'exercice sportif et autres là-bas. Celui qui jeûne vraiment, celui qui jeûne vraiment avec un sportif, ils n'ont rien de commun. Parce que la personne qui jeûne véritablement et constamment est plus résistant que celui qui fait le sport. Celui qui jeûne constamment est plus résistant physiquement que celui qui fait le sport constamment. Pourquoi faire?
Le match n'est pas pris à la maison. Oui. Je veux m'investir. Voilà. Je suis bien, laisse me sentir plus à l'aise. Ah, alors pourtant, tu ne fais pas le sport. À cause du jeûne que tu fais chaque fois. L'apôtre peut dire qu'ayant la promesse de la vie présente et celle d'avenir. J'ai remarqué ça lorsque j'ai pris le temps sec. Oui. Bon, j'étais un ancien athlète. Oui. Mais ce que j'ai eu comme énergie après que je suis sorti de là, je n'ai jamais plus. Quand tu faisais, quand tu étais l'athlète. Oui. Voilà. C'est partant de là où j'ai appris que par le jeûne, tu peux être libre dans ta conscience. Voilà. La conscience est purifiée. Voilà. Tu viens comme une nouvelle personne. Amen. C'est dans ces choses. Frère Evel de l'écouter, ça veut dire ok. Un frère Evel. J'ai fait le sport, j'étais là. J'ai commencé à 16h, j'ai arrêté le 23h, comme ça, tous les jours. J'entends. Tous les jours. J'entends, non. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma peau était dure. J'ai eu des problèmes. Ah, j'ai pris un comprimé, ça me dérangeait. Il fallait qu'on me jette, on n'a pas pu. Mon femme, comme ça, ça se casse. Elle m'a touché les mains. J'étais comme ça. Moi-même, j'étais dépassé. Comme ma peau était impénétrable. Dure. Oui. Tu l'avais déjà traité. Il avait traité durement son corps. Oui. C'était pour quelle gloire en ce moment, frère? Pour le couronne corruptible. Ouais. Je voulais être un revenu. Ouais. Je voulais défier encore. Amen. Mais je n'ai jamais été libre. Tu sentais que tu avais un manque de paix? Oui. Mais quand j'ai fait le jeûne, c'est comme si tout. À un moment donné, je croyais que je devais pisser le sang. Parce que tout était fini complètement. Mais lorsque je suis sorti, c'était devant toi. Mm-hmm. J'étais devenu une nouvelle personne. Amen. Je sentais en moi une paix. J'étais libre. Un renouvellement. Oui. Je voulais encore faire ces choses davantage. Vraiment, le jeûne fait tout. En plus de cela, le jeûne vous stabilise. Vous avez un endroit où vous êtes embrouillé. Quand vous prenez le temps de jeûne, c'est ça qui t'impose que tu vas te calmer. Même si tu es là où on va, tu restes tranquille. Pas que c'est toi qui fais. C'est que tu n'as pas l'énergie pour parler. Tu es obligé de rester tranquille. Et quand tu restes tranquille, ton esprit est obligé de travailler. C'est le bon moment pour le nettoyage. Remarquons ce que le Seigneur a fait durant ces 21 jours, comment il nous a nettoyés. Remarquons ce qu'il a fait. Maintenant, ton esprit peut être un peu libre. Tu sens que tu es sensible déjà à l'esprit au moins. N'est-ce pas, frère? Il dit, c'est donc une parole digne d'être reçue, entièrement digne d'être reçue. Parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Puis, il dit au verset 11, déclare ces choses et enseigne-les. Il n'a pas dit qu'on enseigne le christocentrisme. Donc, le christocentrisme n'est pas biblique. Parce que l'enseignement de Christ, c'est enseigner sa diversité. Maintenant, il dit, déclare ces choses et enseigne-les. Quelles choses? Toutes les choses qu'il vient de citer là. Il faut enseigner aux gens que quand vous faites le sport là, en fait, vous travaillez pour votre chair comme le frère Achard a traité. Parce qu'il a fait sa chair, c'était difficile. Travaillez maintenant pour votre âme, pour ce qui est à la promesse de cette vie et l'autre vie. Enseignant ça, tu vas devenir dans plusieurs angles. N'est-ce pas, frère? Que personne ne méprise ta jeunesse. Vous avez entendu ça? Hein? Mais sois un modèle. Pour qui? Pour les fidèles. De quelle façon? En charité, en foi et en pureté. Encadrer mes frères. Donc, moi en tant que conducteur, je dois être un modèle en quoi? En parole, en charité, en pureté. Vous voyez? Mais vous voyez que si on comprend toutes ces choses, les bêtises que les gens disent que non, lui-même c'est un homme quand même. Il faut admettre qu'il est fait des chairs. Les conducteurs qu'on parle ici sont faits en fer, avec le fer. Donc, on doit être, il est temps de dire à quelqu'un d'autre jour que les versets qui sont à double sens, ou bien à deux volets là, il est temps qu'on change l'appréhension de l'autre volet. Là où on dit, la chair est faible, l'esprit est disposé. Ce sont des dits comme les autres que, frère, tu sais que la chair est faible. Ce sont des dits ça. Disons, l'esprit est disposé, je dois dominer sur cette chair-ci. Disons plutôt l'autre volet. C'est ça, frère, n'est-ce pas, frère? Là où on dit que ne vous élivrez pas du vice de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne disons pas que, frère, être élivré de l'esprit, c'est quoi? Ne nous concentrons pas sur ça. Dis, il faut que je sois rempli de l'esprit. Travaillons dans ce domaine-là et oublions l'autre domaine. Parce qu'on reste toujours dans le domaine qui va satisfaire un peu la chair. Pour satisfaire la chair. Tu sais que la chair est faite, tu sais que la chair est faite, on sait ça. Depuis quand? Tu sais aussi que l'esprit est disponible. Qu'est-ce que tu en fais? Vous saisissez ça, n'est-ce pas? Gardez-vous le cap, c'est cap-ci. D'accord, frère?
Il déclare ces choses et enseigne que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Donc, voici ce que tu dois faire. Qu'on ne te méprise pas. Sois un modèle pour les autres, les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en purité. Verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce que tu dois faire? Oui. Vous voyez que l'enseignement et l'exhortation sont deux choses différentes. Parce que les deux sont cités dans ces versets. Vous avez vu? Mais avant de dire exhortation, enseignement, il n'a pas parlé de quoi? Vous avez suivi? Il faut s'appliquer à la lecture pour que l'exhortation et les enseignements sortent de là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu t'entretiens avec les psaumes, tu fais comme ça. Dieu te donne les nourritures pour toi. À un moment donné, tu donnes la nourriture. Tu médites. À un moment donné, tu viens à l'assemblée. Quelqu'un pose la question. C'est ce que ça a été dit. Tu expliques. D'accord, frère? Donc, il dit que si il tarde à venir, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il s'applique à la lecture. Un conducteur qui ne lit pas, c'est quelqu'un qui est en train d'aller dans le naufrage. Un conducteur qui ne lit pas la parole, c'est un naufragé. Et il va noyer les brebis. Il ne pourrait pas donner la nourriture convenable. Et par conséquent, les brebis vont se disperser à la merci des bêtes féroces, comme on a lu dans ce livre d'Ézéchiel 34, verset 5 là. Donc, la lecture est indispensable. On va voir pourquoi tout à l'heure. Maintenant, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ah, frère, je me sens bien là maintenant. Je me sens bien. Vous savez quelque chose, frère Dimi? Frère Hervé, tu sais quelque chose? Tu sais quelque chose? Mais tu ne veux pas parler, n'est-ce pas? Frère Achille, tu sais quelque chose? Frère Anou, tu sais quelque chose? Lui ne sait pas lui. Il ne sait pas pourquoi le Seigneur l'a envoyé ici au milieu. Il ne sait pas seulement. Frère Donatien, tu sais quelque chose? Ou bien tu dis seulement comme maintenant. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Le don là est où? Et qui t'a été donné par? Avec? Donc, le don a été donné par? Non. Et? Je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez. Dans Actes chapitre 11, 21, lorsque Agabus est venu pour prendre la ceinture de Paul, quand il a pris la ceinture, il a attaché sa main en prophétisant. Il a attaché la ceinture en prophétisant. Donc ici, la prophétie est là. On ouvre la bouche, on parle, on impose les mains, c'est déposé, frère. Oui, Actes 19, verset 1 à 5. Frère Bobla, c'est un ancien. Hein? Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Verset 15. Oui. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. En fait, la révélation de l'Écriture montre que c'est l'apôtre Paul seul qui a mis la main sur eux, sur lui. Les anciens étaient présents, il a mis la main sur eux. C'est pas seulement ce que le verset dit. Et vous savez ça, frère? Vous savez que la Bible dit cela, que c'est l'apôtre Paul seul qui a mis les mains. C'est pas ça? Ah, ok. Non, frère, j'ai mis, mais tu es un bon conducteur. C'est pas tous les anciens qui sont venus comme ça, mettre leurs mains sur lui, comme ça, que Timothée, que pour vous dire non. Que Dieu vous bénisse. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Frère Jimmy, qu'est-ce qu'il te dit que tu veux que fasse maintenant? Donne-toi tout entier. Donne-toi à elle. À quoi? À elle. Elle l'a mis pourquoi? Elle a voulu la lecture, la méditation et la tâche. Donc, frère Jimmy, tu n'as plus d'excuses devant le Seigneur en disant que j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui parce que la voiture était au garage, j'étais sous la voiture. Il n'a plus, la voiture était percée, les policiers ont confisqué la voiture. Tu comprends ça? Donc, Dieu te dit, toi, en tant qu'individu, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 15, que je n'oublierai jamais devant le Dieu vivant, qu'il t'a adressé ça à toi de façon spécifique, que tu dois t'occuper de ces choses et tu dois te donner tout entier en cela. Et remarque très bien, il dit quand tu vas faire comme ça, on dit tes progrès seront quoi? Évident. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le principe de Dieu dans la nature. Ça progresse. Je connais les interrogations que tu t'interroges chaque fois. Je sais tout ce que tu t'interroges chaque fois à mon sujet.
Et c'est que tu t'arrêtes, tu restes souvent, tu examines, tu dis que mince, depuis là, le frère, il ne baisse jamais, il ne fait qu'augmenter. Ça ne te pousse pas à te poser la même question sur toi que pour dire que comment je fais pour progresser et comment je dois faire. Pourquoi tu ne poses pas ces questions? Pourquoi tu te poses seulement la question sur moi? Tu ne poses pas sur toi. Hein, frère Jimmy? Quand tu conduis la voiture, tu penses comme tu penses, tu réfléchis, tu poses des questions. Tu crois que on ne peut pas savoir. Hein, frère Jimmy? Quand tu poses la question, tu arrives à la conclusion que comment il fait pour progresser. Tu penses que j'ai un nul ici? Moi, je vois pour moi, c'est les occupations ici, mais il veut que toi, tu aies les occupations ici. Par exemple, tu as rétrécité, mais toi, tu veux que tu veux. Tu penses comme quand tu penses que tu réfléchis, tu ne sais pas que ta réflexion marche dans les cieux. Hein, frère Dimi? Toute ma vie, je l'ai dévoué à ce service-ci. Ça passe avant toute chose. Et personne ne me fera régresser en cela. Personne. Personne ne me fera régresser sous aucun prétexte. Ça. Donc si on met l'arme, le couteau et la Bible en disant que si tu fais encore cela, on te coupe. Je dis que tu ferais mieux de couper, ne poser même plus de questions là-dessus. Je dois parler de ça. Je ne peux pas faire autrement que de parler. Parce que ceci là, que vous voyez écrit ici, se trouve en moi, Jimmy. Ça se trouve à l'intérieur plutôt. Donc si je ferme ça, je jette, il ne peut pas faire autrement. Ça va devoir sortir parce qu'il faut qu'on lise ça. Donne-toi tout entier à elle. Il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc frère Jimmy, nous sommes le 3 avril. Il faut que d'ici le 30 avril, que tes progrès soient évidents pour tous. Et vous devez vous auto-examiner souvent. Vous là, vous réunis pour vous dire où est-ce que j'ai progressé, y a-t-il des fautes quelque part, vous ne faites pas, vous voyez là, n'est-ce pas? Vous êtes dans la même piscine, souvenez-vous. Vous êtes dans la même piscine. Quand vous avez des sujets à partager, s'il y a des difficultés, demandez-vous les uns les autres. Il y en a des gens qui n'ont pas cette grâce que vous avez ici. Et donc, je vais devoir m'en occuper parce qu'il y a des gens qui sont au loin, qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ grandisse là. C'est ici, n'est-ce pas? Donc, vous avez intérêt à construire et à continuer là où le Seigneur vous a mis maintenant. Et prendre cela comme votre responsabilité. Je vais me tourner vers ceux dont, de tous les ans, dans tous les coins du monde où Dieu va m'envoyer. Ok. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Voilà. Veille sur toi-même. Et sur... Vous comprenez cela comme recommandation? Veille sur... Et sur... Persévère dans ces... Car en agissant ainsi, tu te... Et tu te sauveras. Si tu ne veilles pas, tu ne te sauveras pas. Tu noieras. Vous avez entendu ça? Quelle responsabilité vous avez, frère? Vous avez compris pourquoi il dit qu'avec l'enseignement, on conduit à la vie. Comme avec l'enseignement, on peut conduire en enfer, non? C'est pour ça que le Seigneur avait dit, gardez-vous de l'évain des pharisiens. Il parlait de quoi? De l'enseignement. Donc faisons attention. Faisons attention. Il va encore vous donner 5 minutes, on va passer à la quatrième partie. Il faut qu'on progresse parce que toutes ces écritures soient épluchées. 5 minutes encore, le temps que vous reposez. D'accord? Je sais que vous êtes fatigué, que Dieu vous fortifie. D'accord, frère Donald? Que Dieu vous fortifie. Je suis avec vous, nous sommes le compagnon d'œuvre. Vous ne savez pas ce que je souffre chaque jour pour l'église. Vous devrez porter ces choses-ci comme c'est une responsabilité, que c'est une absolue... nécessité, que c'est une affaire vitale qu'il faut que vous fassiez, c'est votre devoir. D'accord? Donc dans 5 minutes, donc, je vous retrouve.